Flemme de faire l'intro, tu connais. Aujourd'hui les gars, j'ai enfin récupéré internet. Putain, hé, hey, les 4G box, c'est vraiment de la merde. J'ai le débit réduit maintenant, c'est n'importe quoi, c'est même plus limité. Bref, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'une équipe que j'ai faite. Bah, je joue avec depuis une semaine et demie à peu près. Et il faut que je vous la présente parce que j'ai quasiment pas perdu avec. Je dois être à 90% de victoire avec. J'ai dû perdre deux matchs. Ouais, deux ou trois matchs, pas plus. Dont un rush kit d'ailleurs, j'ai un genou au genou. J'ai essayé de casser la manette de Xbox en deux avec mon genou, bah ça a pas marché. Et la manette a rien, je peux te le dire que c'est vraiment solide. Ils se sont améliorés parce que la dernière je l'ai cassée en deux. Mais tout ça pour dire que l'équipe est très très lourde. Et franchement, je sais pas pourquoi elle est équilibrée, un truc de malade. Je sais pas, je joue trop bien avec. Donc je me suis dit pourquoi pas la partager, voilà. Donc ça part sur un 4-3-3-3 avec un MC, deux MDC. Après ailier droit, ailier gauche, c'est du classique. Et on part directement sur le gardien, donc on peut voir Farman. Joueur or non rare, c'est le joueur que j'utilise le plus, je joue avec tout le temps. En même temps, il a des stats de ouf, 87 en réflexe, 82 en positionnement, 83 en plongeon, 83 général. En plus, il fait 1m97, donc autant dire que c'est du lourd. Ensuite, à droite, j'ai mis Klein, UCL, c'est le point faible de l'équipe, je vais pas te mentir, 79 de vitesse, il manque de vitesse, franchement, c'est son point négatif, c'est sa vitesse, 72 en physique, mais il fait le taf, mais faut quand même bien défendre, faut pas se jeter avec rien, parce qu'il va pas rattraper le coup sinon. À ses côtés, Stark, monstrueux, bah, vous voyez, 24 matchs avec. 80 de vitesse, 79 en physique, 83 en défense, joueur parfait et complémentaire avec Hummels. 65 de vitesse, pas très rapide Hummels, mais tellement, tellement bon, je te dis direct. Il récupère tous les ballons de la tête, il récupère tous les ballons au sol, franchement il est trop, trop solide. Et je sais pas pourquoi il a 76 en physique, parce qu'il a quand même 90 en défense et puis il est très, très solide quoi, c'est ça que je comprends pas. Ensuite de l'autre côté, à la bas bien sûr, valeur sûre mais pas très rapide, franchement 82 en vitesse, on le ressent quand même. C'est vrai que sur les ailes, Klein et Alaba, c'est pas très rapide, mais ça fait largement le taf et Alaba ajoute un apport offensif qui est quand même pas négligeable parce que franchement, il est souvent devant et puis il apporte vraiment sur l'équipe. Après voilà, il a des stats pires qu'homogènes, hein. 82 en vitesse, 75 en physique, 80 en dribble, 81 en défense, 80 en passe, 73 en tir. Très très bon en coup franc. De l'autre côté, on a Fabinho. Au début, j'aimais pas trop Fabinho, franchement, je vais pas faire le mec, j'aimais pas trop. Et à force de jouer avec, ça va, je commence à m'y attacher, je vais te dire. Non, il prend beaucoup de ballons de la tête sur corner, c'est vrai que ça fait plaisir, vous voyez, 4 buts marqués, les 4 buts c'est que des corners. 3 passes D, ça va encore. Après c'est 22 matchs, mais bon, les autres joueurs devant sont très très décisifs. Donc Fabinho, 71 en vitesse, 84 en défense, 84 en physique, 78 en passe, voilà, on demande que ça. On récupère le ballon, on rebalance devant, tout simplement. De l'autre côté, Goretzka, j'avais jamais joué avec, l'année dernière je l'avais même pas testé. Et c'est vrai qu'il est choquant, 1m89, 83 de vitesse, 77 en défense, 76 en physique. Le mec a élevé en rendement, il est partout sur le terrain et j'adore, franchement j'adore ce joueur. Forsberg, bah, ça c'est la pépite, hein. Je suis obligé de le mettre, même si je mets un MC, j'ai été obligé de mettre Forsberg, parce qu'il fait le taf tout le temps dans ces putains de matchs, il est tout le temps là. 31 matchs, 12 buts, 9 passes D, il est souvent décisif. Hein. Ensuite là on passe à des vrais joueurs, Lucas, Player of the Month, pff, que dire de ce joueur les gars, il est tellement chaud. Je sais pas si c'est le même rendu avec un Lucas normal, mais ce joueur-là, Lucas, en cette version, vous voyez, 24 matchs joués, 8 buts, 17 passes D. 17 passes D, franchement. Il est décisif à tous les matchs. 94 de vitesse, 83 en tir, 83 en passe, 89 en dribble. Tu fais du sale quand tu l'as. De l'autre côté, on a mon gars sûr, Kingsley Coman. 94 de vitesse, je l'ai déjà présenté dans une autre team. 11 buts, 12 passes D. Et ensuite, on passe à mon attaquant vedette. Un monstre, j'adore, franchement j'adore. Et pour la petite histoire, je l'ai pris car... Vu que je rage beaucoup, j'ai cassé le joystick là, le joystick droit. Je peux plus faire de rond avec en fait, ça se bloque. Ça fait juste un arc de cercle vers le haut. Donc du coup, je peux pas utiliser les gestes techniques. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas tester Werner. 3 étoiles gestec, on fait que du tout droit, frappe. Et en fait, pas du tout. Werner, c'est un monstre de la tête. C'est un mec ultra complet, mais je sais pas, j'ai été choqué. 94 de vitesse, 82 en tir, 84 en dribble, 70 en passe, 82 en tir, je l'ai déjà dit, 69 en physique. On va regarder ses attributs, mais franchement, il a tout. À part de la force, il a tout. Détente, il a 80 en détente, mais après avec la carte, ça fait plus 10. Il prend tous les ballons de la tête, je ne sais pas pourquoi les gars, mais c'est un monstre. 24 matchs joués, 34 buts, 6 passes D les gars. Il a été décisif 40 fois en 24 matchs. C'est complètement ouf, et ce joueur j'adore. Je vais le revendre juste après la vidéo malheureusement, parce que je vais me refaire une autre team. Bien sûr, ça sera pas une team encore composée de 5 étoiles, parce que j'ai toujours pas racheté de manette. Une fois que je vous ai montré tous les joueurs, voilà l'équipe comme ça au complet. Et c'est vrai que sur le papier, elle fait pas si peur que ça. Je me dis que les adversaires, quand ils la voient, ils ont pas tellement peur. Mais franchement, croyez-moi les gars, à chaque fois, c'est soit je posais des pilules, soit je perdais de peu.
Et encore, les deux ou trois défaites que j'ai eues, c'est une déconnexion, un rush kit. Et l'autre, ouais, j'ai pris quand même une pilule, j'aurais dû prendre 4-0. Mais sur les autres matchs, chaque fois j'éclatais mes adversaires. L'équipe est trop équilibrée. Bref, j'espère que ça vous aura plu. Passez un bon week-end, c'est l'Airsoft, bis sur la fesse.